Herr Gollnisch, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Kannst du noch mal reingehen? Non, Monsieur le Président, c'est sur l'ordre du jour de mardi. C'est sur l'ordre du jour de mardi. Je constate, Monsieur le Président, que nous avons, à l'ordre du jour du mardi, trois votes qui portent sur des levées d'immunité parlementaire de collègues, Monsieur Le Pen, Monsieur Borghezio et Madame Collins. Ce sont des décisions d'une extrême gravité, ce sont des décisions extrêmement importantes, et je constate une fois de plus qu'il n'est pas prévu que l'on puisse débattre de ces questions en plénière. Je le regrette vivement parce que dans tous les autres parlements que je connais, en tout cas, et en tout cas dans mon Parlement national, tel ne serait pas le cas. La conséquence, d'ailleurs, de cette absence de débat, c'est qu'il n'est même pas possible de faire connaître son point de vue par une explication de vote oral. Je considère qu'il s'agit là d'une situation extrêmement regrettable, extrêmement grave, et qui traduit, car elle est relativement nouvelle. Elle n'était pas le cas autrefois dans ce Parlement, où j'ai participé à de nombreux débats sur des questions de levée ou de maintien ou de garantie d'immunité parlementaire. Cela traduit d'une façon générale les restrictions qui sont mises aux droits et à la protection des députés, pour lesquelles, je me permets de vous le rappeler, j'ai déjà obtenu que la Cour de justice de Luxembourg condamne notre institution. Je l'ai obtenu à regret, mais je l'ai obtenu sans équivoque dans le passé. Donc je souhaiterais que ces débats soient déplacés à la prochaine session, que ces questions soient déplacées à la prochaine session, de telle façon qu'un débat puisse s'ouvrir sur chacune de ces immunités. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Vielen Dank, Herr Gollnisch. Sie irren sich. Die Verfahren bei der Aufhebung von Immunitäten erfolgen immer gleich.